Ou fin rempli tout étape pour dans USCIS, ou soumet information by CVP, ou fin créer un account CBP One. Maintenant, li nécessaire pour demander autorisation voyage. Dans vidéo ça, nous vient montrer comment ou capable demander autorisation voyage sur application CBP One. Vinn montrer comment pour utiliser application ça. C'est toujours like vidéo, toujours partager pour plus monde capable jouer. Toujours des commentaires pour poser question pour yo en bas vidéo et n'a porter réponse pour vous. Donc si c'est pour la première fois regarder une vidéo sur channel ça, c'est abonner avec channel là, like, commenter et puis partager vidéo nous pour supporter travail ça. Vinn regarder comment pour demander autorisation voyage sur application CBP One. On allez. Ou pour ouvrir application CBP One, non? OK? Ou faire loading. Donc ou va prendre ou cliquer sur accepter. Une fois que vous cliquez sur accepter, la voyo yon côté exactement pour capable rentrer email ou avec password ou parce que vous avez un account CBP One déjà, on te montre nous comment pour nous créer ça. Donc ou va entrer email ou avec mot de passe et puis ou faire sign in. Une fois que vous fin faire sign in, là bas ou yon code sur application d'authentification et ou va rentrer code ça, c'est ça que m'a fait là, me fait ça. Après me fin faire submit kounya là, l'upload kounya li pral voyem yon côté exactement pour que me capable rentrer pour mal faire demande et autorisation voyage. Et m'a cliqué sur traveler via hero. Donc c'est on demande que me pral faire pour que moi mande autorisation voyage moi d'avance. Et d'arriver là, ou cliquer sur air, air parce que c'est en avion que ou voyager, ou prend air. Donc mon cap voyager Mexique ou l'autre bagaille. C'est à pied à voyager, donc puisque c'est un avion voyage, on prend air. Lorsqu'on clique sur lui, on va aller descendre. Donc, lorsqu'on descend, on va aller dans la section qui est marquée Advanced Travel Authorization. Donc, on va cliquer sur Advanced Travel Authorization. Donc, pour capable demander autorisation voyage là. Et là, lorsqu'on clique sur lui, on va dans différentes langues. On va choisir la langue où vous voulez libérer. Mais plus que c'est haïtien, m'a prend créole. Et là, m'fin prend créole. Donc, on y a là, ou capable faire continuer. M'encourage, nous prend créole pour nous capable plus comprendre. Et qu'on y a, ça le dit, il demande autorisation voyage d'avance. Là, que vous allez demander, il doit aller dans le profil là pour qu'on capable à l'entrée nom avec prénom pour aller configurer information ça. Donc, moi-même, m'a rentré nom PAM là, ensemble avec prénom, m'a pas obligé de barrer parce que c'est nom PAM nié. Bien que m'a pas besoin d'autorisation voyage là parce que. Moi pas fait partie du programme ça. Donc c'est une vidéo m'a fait pour que me capable montrer nous. Et si nous avons un accent là dedans, il pas prend accent, mettez le sans accent, pas de problème. Les filles nous a fait sauver. OK? Donc on y a là, là qu'on finit, on va demander autorisation voyage d'avance. On va cliquer sur demander autorisation voyage d'avance pour que le capable maintenant côté pour aller scanner passeport et pour aller prendre visa jour. À nous cliquer sur demander autorisation voyage d'avance. Donc là qu'on finit cliquer sur lui. Ou capable ouais côté pour scanner passeport, ou capable ouais côté pour prendre visage là. Regardez vidéo ça bien on va faire. Maintenant qu'on y a le fin clique sur il montre au côté pour entrer alien number. Alien number son numéro de business qui très très important. Moi pour être alien number un client pour que me capable faire ça, ça fait me barrer lui. Et nous va scanner passeport, n'a prend scanner. OK, ou cliquer sur lui. Donc qu'on y a là ou tenir l'autre dit gain scanner passeport même pas montrer nous lui. Et moins barré ça yo donc son aide que m'a pas nous suivi vidéo bien et qu'on y a là la bas ou numéro passeport avec date de naissance ou qu'on y a ou pas cliquer sur scanner photo donc cliquer sur lui ou taper n'importe côté de l'écran pour le bas ou côté pour scanner photo ou m'a fait le même genre toujours donc là l'upload dit que t'as capturé photo non la et checker système là pour que le capable prendre et voilà il dit photo non dit bien capturé ou faire continuer. Lorsque vous continuez, vous pouvez mettre un côté que vous pouvez numéro de passeport avec et date de naissance ou après photo là tout. Donc là, vous faites continuer toujours. Vous pouvez date ou demander autorisation, alien number, numéro de passeport avec date de naissance. Si vous nécessaire, si vous êtes bon, vous faites soumettre pour demander autorisation. Merci à vous-même qui t'avez regardé vidéo ça. Merci à vous-même qui déjà like vidéo, qui déjà partagé, qui déjà quitté commentaire pour poser question pour vous. Merci d'être qu'on prend abonné avec channel là. Pas oublier activer cloche notification pour capable bien toute vidéo nous like, commenter et partager vidéo ça pour aider travail là aller plus loin. Toujours garder dans description vidéo yo ou jeune contact nous ou capable rentrer en contact avec nous. Merci, n'a croiser dans prochaine vidéo. Bye bye.